en la pantalla. Oui, professeur. Oui. Oui. Como todos los días de lectura, tenemos las bienvenidas que están por primera vez. Tengo un detalle que casi no los veo, ¿ok? Entonces, les voy a estar preguntando generalmente si me escuchan y si no me escuchan o no ven lo que estoy, lo que la pantalla no la ven, me avisan, por favor, ¿de acuerdo? Como siempre, son dos lecturas. Buscamos las palabras que no conocemos y hacemos la traducción. ¿De acuerdo? Taco. Bueno. On commons. Marché de Noël. Un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et qui se tient traditionnellement pendant l'Avent. On y trouve tout ce qui touche à la fête de Noël, mais aussi à la Saint-Nicolas. Historiquement, les marchés de Noël étaient implantés en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne. Ensuite, comme France, dans les régions Alsace, la Lorraine, mais aussi la Franche-Comté. Plus récemment, ils se sont diffusés dans d'autres villes du monde. Dans leur région d'origine, ils représentent un atout économique et une attraction touristique majeure. Ainsi, en Alsace et notamment à Strasbourg, l'un des plus beaux du monde, les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Deuxième lecture. Un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et qui se tient traditionnellement pendant l'Avent. On y trouve tout ce qui touche à la fête de Noël, mais aussi à la Saint-Nicolas. Historiquement, les marchés de Noël étaient implantés en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne, ainsi qu'en France, dans les régions d'Alsace, la Lorraine, mais aussi la Franche-Comté. Plus récemment, ils se sont diffusés dans d'autres villes du monde. Dans leur région d'origine, ils représentent un atout économique et une attraction touristique majeure. Ainsi, en Alsace et notamment à Strasbourg, l'un des plus beaux du monde. Les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Qui veut lire, s'il te plaît? Moi, madame. Bonjour. Bonjour. Sandra. Sandra, bienvenue, Sandra. Merci. Je peux lire? Oui. D'accord. Un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et qui se tient traditionnellement pendant l'Avent. On y trouve tout ce qui touche à la fête de Noël, mais aussi à la Saint-Nicolas. Historiquement,
Le marché de Noël était implanté en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, dans les pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne, ainsi qu'en France, dans la région Alsace, la Lorraine, mais aussi la Franche-Comté. Plus récemment, ils se sont diffusés dans d'autres villes du monde. Dans leur région d'origine, ils représentent un atout économique et une attraction touristique majeure. Ainsi en Alsace et notamment à Strasbourg, l'un des plus vieux du monde. Les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Merci. Très bien, Sandra. Félicitations. Merci, madame. De rien. Moi, Daisy. Moi. Qui? Daisy. Daisy. Allez-y, Daisy. Bienvenue. Merci. Et un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et qui s'y tient traditionnellement pendant l'Avent. On y trouve tout ce qui touche à la fête de Noël, mais aussi à la Saint-Nicolas. Historiquement, les marchés de Noël étaient implantés en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne, ainsi qu'en France, dans les régions Alsace, la Lorraine, mais aussi la Franche-Comté. Plus récemment, ils se sont diffusés dans d'autres villes du monde. Dans leur région d'origine, ils se représentent un atout économique et une attraction touristique majeure. Ainsi, en Alsace et notamment à Strasbourg, l'un des plus vieux du monde, les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Merci, Daisy. Très bien. Félicitations. Autre personne qui lit? Et moi, Carla. Bienvenue, Carla. Allez-y. Okay. Un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et qui se tient traditionnellement pendant l'Avent. On y trouve tout ce qui touche à la fête de Noël, mais aussi à la Saint-Nicolas. Historiquement, les marchés de Noël étaient implantés en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, dans des pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne, ainsi qu'en France, dans les régions Alsace, la Lorraine, mais aussi la Franche-Comté. Plus récemment, ils se sont diffusés et dans d'autres villes du monde. Dans leur région d'origine, ils représentent un atout économique et une attraction touristique majeure. Ainsi, en Alsace et notamment à Strasbourg, l'un des plus vieux du monde, les marchés de Noël sont visités par plusieurs millions de touristes chaque année, ce qui engendre des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Merci beaucoup. Très bien, Carla. Félicitations. Ah. Merci, Millet. Quel mot il ne sauve pas? Que palabra no conoce? Sí, peut-être plein.
plan. Excusez-moi. Plan, le premier. Il est plein, c'est pleno, lleno, completo. Mais dans l'union de air, c'est aire libre. Oui? Eso que dice Anatu Económica. Anatu. Anatu se activo, ventaja. Ah, ah, ok. Oui. Merci. De rien. Autre mot? Aussi. Aussi, dice la Lorraine, mais aussi. La Lorraine, mais aussi. Mais aussi. 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 Aussi, c'est también. Merci. Ok, d'accord. Aussi. Qui vous traduit? A ver. Qui vous traduit? Podemos traducir entre todos, ¿ok? No. ¿Muéstrale? Sí, Peri, bienvenido. Ok, dice un mercado de Navidad. Es un mercado al aire libre asociado a la celebración de Navidad que se lleva a cabo, que se realiza tradicionalmente durante el Adviento. Ajá, muy bien. Ahí encontramos todo. Todo lo relacionado. ¿Podría ser? Todo relacionado a la fiesta de Navidad, pero también a la de San Nicolás. Históricamente, los mercados de Navidad fueron introducidos en Europa Central y en Europa del Oeste. Implantados. Implantados. En Europa Central, en Europa del Oeste, en los países como Austria, Suiza y particularmente Alemania, así como en Francia. Exactamente, correcto. Así como en Francia, en las regiones de Alsace, la Lorraine, pero, no, sí, y también en el Comté. La Francia Comté. No, en la Francia Comté. Ah, ok. Más recientemente se han difundido en otras villas, en otras ciudades del mundo. Dentro de esas regiones. O en esas regiones. En esas regiones de origen representan un activo económico y una atracción turística mayor. Correcto. En Alsace y notablemente en Estrasburgo, uno de los países más antiguos del mundo, los mercados de Noel son visitados por millones de turistas cada año. Bueno, esa parte no, no le. Engendro es generar. Engendro es generar. Okay, que, que generan cientos de millones de euros de ingresos económicos. Beneficios. Beneficios económicos. Son beneficios, efectos, repercusiones. ¿Ok?
Très bien, Terry. Je te félicite. Merci. De rien. Esperemos que pase la página. Ok. Continue. Estrasbourg, capitale de Noël. Véritable tradition séculaire, le marché de Noël d'Estrasbourg a été créé en 1570. Il est le plus vieux de France et l'une des plus anciennes d'Europe. D'abord cantonné autour de la cathédrale et d'une durée de 3 jours, le marché n'a eu de cesser de se développer. Il occupe aujourd'hui de nombreuses places de la ville et durée jusqu'au 30 décembre. Le marché s'accompagne de nombreuses décorations et illuminations, dont un gigantesque sapin dressé sur la place Clévé, qui font de Strasbourg la capitale de Noël. Strasbourg, capitale de Noël. Véritable tradition séculaire, le marché de Noël de Strasbourg a été créé en 1570. Il est le plus vieux de France et l'un des plus anciens d'Europe. D'abord cantonné autour de la cathédrale et d'une durée de 3 jours, le marché n'a eu de cesser de se développer. Il s'occupe aujourd'hui de nombreuses places de la ville et durée jusqu'à au 37 décembre. Le marché s'accompagne de nombreuses décorations et illuminations, dont un gigantesque sapin dressé sur la place Kléber, qu'ils font de Strasbourg la capitale de Noël. Qui vous lit, s'il te plaît? Moi, Carolina. Bienvenue, Carolina. Allez-y. Estrasbourg, la capitale de Noël. Véritable traditionnel séculaire. Le marché de Noël de Estrasbourg a été créé en 1570. Il est le plus vieux de France et l'un des plus anciens d'Europe. D'abord, cantonné autour de la cathédrale et d'une durée de 3 jours. Le marché n'a eu de cesse de se développer. Il occupait aujourd'hui de nombreuses places de la ville et dure jusqu'à le 30 décembre. Le marché a accompagnement de nombreuses décorations et illuminations dans un gigantesque sapin dressé sur la place Kléber, qui font de Strasbourg la capitale de Noël. Merci. Très bien, Carole. Et seulement gigantesque. D'accord? D'accord. Gigantesque. 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 Oh, oui. Autre personne? Moi, Thérèse. Allez-y, Thérèse. Strasbourg, capitale de Noël. Véritable
tradition séculaire, le marché de Noël de Strasbourg a été créé en 1570. Il est le plus vieux de France et l'un des plus anciens d'Europe. D'abord cantonné autour de la cathédrale et d'une durée de 3 jours. Le marché n'a eu de cesse de se développer. Il occupe aujourd'hui de nombreuses places de la ville et dure jusqu'au 30 décembre. Le marché s'accompagne de nombreuses décorations et illuminations, dont un gigantesque sapin dressé sur la place Kléber, qui font de Strasbourg la capitale de Noël. Très bien, merci Teresa. Qui veut lire? Moi, Olenka. Olenka, bienvenue Olenka. Bonjour. Strasbourg, capitale de Noël, véritable tradition séculaire. Le marché de Noël de Strasbourg a été créé en 1570. Il est le plus vieux de France et l'un des plus anciens d'Europe. D'abord cantonné autour de la cathédrale et d'une durée de 3 jours. Le marché n'a eu de cesse de se développer. Il occupe aujourd'hui de nombreuses places de la ville et dure jusqu'au 30 décembre. Les marchés s'accompagnent de nombreuses décorations et illuminations. Donc, un gigantesque sapin dressé sur la place Kléber qui font de Strasbourg la capitale de Noël. Très bien, Olenka, félicitations. Merci. Quel mot il ne sauve pas? Séculaire. Séculaire. C'est séculaire. Autre mot? Cantonné es como limitado, puede ser confinado, acuartelado. Recuerden que tienen que darle el sentido a la frase, ¿de acuerdo? Otro mot. ¿Qué es que cese está en la cuarta línea? Cese. Ah, ok. Cese es... deja continuamente, puede ser también. O dejado, unido con la palabra u, que es la que la antecede, u de, es dejado de, puede ser. Okay. Otro mot. ¿Qué es que se develope? Develope es desarrollar o desarrollado. Maxi. Sapin dressé. Sapin, c'est árbol. Y dressé, elaborado, preparado. Ah, oui. Merci. De rien. Qui vous traduit? Moi, madame. Moi, Sandra. Oui. Allez, si, Sandra. Estrasburgo, capital de Noël. Una verdadera tradición secular, el mercado de Noël de Estrasburgo fue creado en 1570. Es uno de los más antiguos de Francia y
d'Europe. D'abord, al comienzo, d'abord, cantoné. Ay, que me, ya me olvidé lo que me dijo cantoné. Pues en primer lugar, limitado. ¿Perdón? En primer lugar, limitado. O en un comienzo, limitado. Dabor es en primer lugar, primero, ante todo, ¿ok? Y cantoné es limitado. Limitado, acuartelado, confinado, flanqueado, depende del sentido. En este caso sería, ante todo o en primer lugar, limitado. ¿Sí? En primer lugar, limitado alrededor de la catedral y de una duración de 3 días. El mercado no dejó de desarrollarse. Se encuentra actualmente. Él ocupa actualmente. Ocupa actualmente los numerosos lugares de la ciudad y dura hasta el 30 de diciembre. Los mercados se acompañan de numerosas decoraciones e iluminaciones en la que gigantescas árboles. No, ¿dónde un gigantesco o gran árbol? Un gran árbol. Un árbol gigante, en la que un árbol gigante se adorna en el lugar de Kleber, la plaza, en la plaza Kleber, que se encuentra en Estrasburgo, la capital de Noé. Ok, la última parte sería en donde un gigantesco árbol elaborado o adornado sobre la plaza Kleber, ¿verdad? Que hace de Estrasburgo la capital de Noé. Ah, d'accord. ¿D'accord? D'accord. Merci, Sandra. Ok. El de Colmar. Colmar, la plus typique et traditionnelle des grandes villes d'Alsace, au cœur des vignobles, organisé non pas un, mais sans marché traditionnel, où vous pourrez trouver des produits d'artisanat, des produits du terroir, ainsi des jouets en bois, à destination des enfants. Le marché de Noël de Colmar est gratuit et a lieu à 4 grandes places. Dominicain, Ancien Dieu, Six Montagnes Noires, Jeanne d'Arc. Après Strasbourg, vous découvrirez ici les plus beaux marchés de Noël d'Alsace. Marché de Noël de Colmar. Colmar, la plus typique et traditionnelle des grandes villes d'Alsace, nichée au cœur des vignobles, organisée non pas un, mais sans marché traditionnel, où vous pourrez trouver des produits d'artisanat, des produits du terroir, ainsi des jouets en bois à destination des enfants. Le marché de Noël de Colmar est gratuit et a lieu dans des 4 grandes places. Dominicain, Ancienne Douane, Six Montagnes Noires, Jeanne d'Arc. Après Strasbourg, vous découvrirez ici les plus beaux marchés de Noël d'Alsace. Qui veut lire, s'il te plaît? Moi, Maria. Allez-y, Maria. Merci. Marché de Noël de Colmar. Colmar,
La plus typique et traditionnelle de Granville d'Alsace, nichée au corps des vignobles, organisée non pas sans, mais sans marché traditionnel, où vous pourrez trouver des produits d'artisanat, des produits du terroir, ainsi que des jouets en bois à destination de son fond. Le marché de Noël de Colmar est gratuit et a lieu dans les quatre grandes places Dominique, Ancienne Douane, Six Montagnes Noires, Jeanne d'Arc. Après Strasbourg, vous découvrirez ici le plus beau marché de Noël d'Alsace. Très bien, Maria. Merci. De rien. Qui veut lire? Moi, Carolina. Allez-y, Carolina. Yeah. Marché de Noël de Colmar. Colmar, la plus typique et traditionnelle des grandes villes d'Alsace. Niché au cours des vignobles, organise non pas un, mais sans marché traditionnel où vous pourrez trouver des produits d'artisanat, des produits de terroir et ainsi que des jouets en bois à destination des enfants. Le marché de Noël de Colmar est gratuit et a lieu dans les quatre grandes places dominicaines, ancienne Douane, Six Montagnes Noires, Jean. Après Istanbul, vous découvrirez ici le plus beau marché de Noël d'Alsace. Merci. De rien, Carole. Seulement vignoble. Bleu. OK? Vignoble. Et le terroir. D'accord? Merci. De rien. Autre personne? Moi, Catherine. Allez-y, Catherine, bienvenue. Merci, professeur. Marché de Noël de Colmar, plus et traditionnel de Granville d'Alsace. Niché ou cours de vignobles organise non pas un, mais sans marché traditionnel où vous pourrez trouver des produits d'artisans, des produits du terroir ainsi que des jouets en bois à destination des enfants. Le marché de Noël de Colmar est gratuit et a lieu dans les quatre grandes places Dominicain, Ancien Douar, Six Montagnes Noires, Jeanne d'Arc. Après Strasbourg, vous découvrez ici les plus beaux marchés de Noël d'Alsace. Merci. Merci, Catherine. Découvrirez. OK? OK. Merci. D'accord. De rien. Quel mot il ne savait pas? Moi, Roxana, niché. Niché. Niché es enclavada, ubicada o situada. Merci. Vignoble. Vignoble son viñedos. Viñas o bodegas. Perfecto. Otro mot. Produit. Produits son productos. Ah. Du terroir, ça veut dire du sol, qui vient du sol. Excusez-moi. Et les produits du
terroir, ça veut dire les produits qui viennent du sol. De la terre. Oui. De la terre. Merci. Terre. Tu veux traduire? Qui vous traduit? Oui, professeure, je vais intenter. Gilibe, bienvenue. Merci. Et Colmar, la más la más típica y tradicional de las grandes ciudades de Alsace, situada en el corazón de los viñedos. Ahí sí. No está organizada, algo así. Ajá. Ajá. Pero cinco mercados tradicionales donde usted puede encontrar productos artesanales, productos de la tierra, así como juguetes, juegos, juguetes de en bois, madera. Destinados a los niños. El mercado de Noel, de Navidad, de Colmar es gratuito y es un lugar en las cuatro grandes plazas, o está ubicado en las cuatro grandes plazas. Correcto. Uh-huh. Dominica, Antigua Duan, Seis Montañas Negras y el Arco de... Uh-huh. Como son nombres propios, no las traduzco, o sea, quedan okay. Con ese nombre, Yandar. Okay. Okay. Bien. Después, Estambul, usted puede descubrir aquí los más bellos mercados de Navidad de Alsace. Muy bien, genial, Gilibe. La frase organiza, no pasa, es. No significa que no organiza un solo mercado, sino cinco. ¿De acuerdo? Excelente. Muchas gracias. Merci. A bien. Continúe. Marché de Noël de Rennes. Le marché de Noël de Rennes est installé autour de la cathédrale Notre-Dame. Et dans la cour du palais de Tours, avec plus de nombreux chalets de Noël, c'est rue où vous pourrez déguster des produits du terroir, champagne et biscuits roses de Rennes, mais aussi des produits d'artisanat et des décorations de Noël. Des spectacles sont organisés au palais enchanté à l'occasion de ces marchés de Noël. La spécificité des animations de Noël à Rennes, ce sont les parades lumineuses et musicales qui animent la ville tous les week-ends. Marché de Noël de Rennes. Le marché de Noël de Rennes est installé autour de la cathédrale Notre-Dame et dans la cour du palais de Tours. Après plus de nombreux chalets de Noël, ferruques, où vous pourrez déguster des produits du terroir, champagne et des biscuits roses de Rennes, mais aussi des produits d'artisanat et des décorations de Noël. Les spectacles sont organisés au palais enchanté à l'occasion de ces marchés de Noël. La spécificité des animations de Noël à Rennes, ce sont les parades lumineuses et musicales qui animent la ville tous les week-ends. Qui vous lit, s'il vous plaît?
qui vous lire? Moi, Roxana. Allez-y, Roxana. Après, merci. Marché de Noël de Rome. Le marché de Noël de Rome est installé autour de la cathédrale Notre-Dame et dans la cour du palais de Thaux. Avec plus de nombreux chalets de Noël, fabriques où vous pouvez déguster des produits du terroir, champagne et biscuits roses de Rome, mais aussi des produits d'artisans et de décoration de Noël. Des spectacles sont organisés au Palais Enchanté à l'occasion de ce marché de Noël. La spécificité des animations de Noël à Rouen, ce sont les parades lumineuses et musicales qui animent la ville tous les week-ends. Merci, Rosana. Très bien. Félicitations. Seulement champagne. 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 D'accord, merci. De rien. René, merci. OK. Marché de Noël, de rien. Le marché de Noël, de Rome. OK. Oui. Rome. Le marché de Noël de Rome est installé autour de la cathédrale Notre-Dame et dans le cours du palais de Thaux, abri plus de nombreux chalets de Noël féeriques que vous pourrez déguster des produits du terroir, champagne et biscuit rose de Rome, mais aussi des produits d'artisans et des décorations de Noël. Des spectacles sont organisés au palais. Oui. Enchanté à l'occasion de ce marché de Noël, tienes el acento allí en la última E, ¿okay? C'était des animations de Noël à Rennes. Ce sont les parades lumineuses et musicales qui animent la ville tous les week-ends. Très bien. Oh, très merci. Bien. ils ne savent pas. Quel mot ils ne savent pas? Abrite. Abrite, alberga, cuenta con, acoge. Y féeriques. Féeriques son hadas. OK. Merci. De rien. Professeur, et auteur? Auteur.
alrededor. Moi, chalet, c'est seulement une petite maison à la montagne où son, il est peut-être une grande maison. Et chalet, c'est une petite maison. Ok, merci. Les chalets, ce sont ici. Oui? Profe, no sé si ya habían preguntado, disculpe. Ferrique. Ferrique Hadas. Hadas, perdón, gracias. ¿Qui traduit? Qui vous traduit? Moi, Carla. Elle est ici, Carla. Sería algo así como el mercado de Navidad de Reims. El mercado de Navidad de Reims está instalado alrededor de la Catedral de Notre Dame, como en la plaza, la Cour. Y en el corazón. Uh-huh. Como en el corazón del, del Palacio de Tau. Uh-huh. Alberga muchos chalets de Navidad. A Ferrique, que sería como algo como de la feria, algo así. Uh-huh. Ferrique son hadas. Así como, ah, hadas. Como cuentos de hadas. Okay. De Navidad, de hadas, en donde usted puede degustar los productos del territorio. Champán. Uh-huh. Ah, el champán y los como galletitas. Galletas, ajá. Los hadas de Reims. Pero también los productos artesanales y la decoración de Noel. Algunos espectáculos están organizados en el Palacio Encantado. A propósito de este mercado de Noel, la especificación sería de uh-huh. las animaciones de Navidad en Reims son las paradas luminosas y musicales que animan a la ciudad todos los fines de semana. Muy bien. Merci, Carla. El palacio lo tienen aquí atrás, en la foto que tienen arriba. Aquí está el palais de Tour, ¿ok? Y estas son las el chalet que preguntaban. Entonces, como algo así, tipo cuento de hadas y esas cosas, ¿ok? Merci. Marché de Noël de Paris. Des marchés d'hiver à Paris, il y a en beaucoup. Marché de Noël de Saint-Germain-des-Prés, marché de Notre-Dame ou de Montmartre. De nombreux quartiers de la capitale revendent leur habit de Noël. Dans le jardin des Tuileries. Petit chalet et manège pour les enfants dans un cadre magique avec vue sur les Champs-Élysées. Les gares de train aussi ont leur marché de Noël. C'est le cas à Saint-Lazare ou à la gare de l'Est. La Défense, les grands quartiers d'affaires organisés aussi son marché de Noël, les plus grands d'Île-de-France. Nombreux exposants dans un village de chalets modernes au milieu des villes.
marché de Noël de Paris. Des marchés d'hiver à Paris, il y en a beaucoup. Marché de Noël de Saint-Germain, des Prés, marché de Notre-Dame ou de Montmartre. De nombreux quartiers de la capitale revendent leurs habits de Noël dans les jardins des Tuileries, petits chalets et manégés pour les enfants dans un cadre magique avec vue sur les Champs-Élysées. Les gares de train aussi ont leur marché de Noël. C'est le cas à Saint-Lazare ou à la gare de l'Est. La Défense, les grands quartiers d'affaires organisaient aussi son marché de Noël, le plus grand d'Île-de-France. Nombreux exposants dans un village de chalets modernes au milieu des villes. Qui vous lit, s'il vous plaît? Moi, Daisy. Allez-y, Daisy. Des marchés d'hiver à Paris, il y en a beaucoup. Marché de Noël de Saint-Germain, des Prés, marché de Notre-Dame ou de Montmartre. De nombreux quartiers de la capitale revendent leurs habits de Noël dans les jardins des Tuileries, petits chalets et manégés pour les enfants dans un cadre magique avec vue sur les Champs-Élysées. Les gares du train aussi ont leur marché de Noël. C'est le cas à Saint-Lazare ou à la gare de l'Est. La Défense, le grand quartier d'affaires, organise aussi son marché de Noël, le plus grand de France. Nombreux exposants dans un village de chalets modernes au milieu du building. Très bien, Delcy. Seulement Champs-Élysées. D'accord? Champs-Élysées. Très bien, merci. Autre personne qui lit? Moi, Maru. Maru, bienvenue, Maru. Allez-y. Gracias, trataré. Marché de Noël de Paris. De marché d'hiver à Paris, il y a en a beaucoup. Marché de Noël de Saint-Germain, de Prés, marché de Notre-Dame ou de Montmartre. De nombreux quartiers de capitale revendent leurs habits de Noël dans les jardins de Tuileries. Petit chalet et manger pour les enfants dans un cadre magique avec vue sur les Champs-Élysées. Les gares du train aussi ont leur marché de Noël. C'est la case à Saint-Lazare ou à la gare de l'Est. La Défense, le grand quartier d'affaires, organise aussi son marché de Noël. Le plus grand de France. Nombreux exposants dans un village de chalet moderne au milieu de buildings. Merci, Marie. Seulement, Tuileries. Champs-Élysées. Manège. Oui. Merci. D'Île-de-France. Merci. De rien. Quel mot ils ne savent pas? Manège. Excusez-moi. Par contre, c'est moi,
manèges. Manèges son atracciones, paseos, juegos, como ferias. Oui. Merci. Reventant es reventar. Revisten, adquieren. Merci. De rien. Autre mot. C'est le cas sans laser. Et moi, le cas. Non. Non, t'as entendu, Olenka. Ah oui. Et dans la seconde paragraphe, on dit okay. C'est le cas sans laser. Ajá. Uy, el lemo cas. Cas es como caso, es el caso. En este caso sí, es el caso de. Okay. ¿Qui vous traduit? Qui vous traduit? Hola, qui vous traduit? Gilles, professeur. Gilles, Alec. Ok, bien. Los mercados de invierno en París, hay muchos. Y un poco. Oui. Mercado navideño de San Germán, cerca. Uh-huh. Al mercado de Notre Dame o Montmartre. Muchos. Montmartre. Recuerden que esos son todos nombres propios. ¿Okay? No. Oui. Muchos barrios de la capital se visten con sus ropas navideñas. Uh-huh. Vamos a ver. En los jardines de Tuileries, los pequeños chalets y paseos para atracciones. Niños, atracciones. Y las atracciones para los niños en la Catedral Mágica. En un arco. En cadre es marco, ámbito o relación. Entonces puede ser en un ámbito mágico. Mágico. Con la vista de los campos alicios. Sobre uh-huh. los campos alicios. Las calles. Ay, probé. No las estaciones. Las estaciones del tren. Las estaciones del tren. Ah, las estaciones, perdón. Las estaciones del tren también. Y los, ay, profe, qué vergüenza. Las estaciones del tren también tienen sus mercados de Navidad. Ok, también tiene sus mercados de Navidad. Es el caso de San Lázaro, que es una estación de tren. Ajá, donde está la estación del este. La, de defensa, la gran, el gran barrio o el gran o distrito, ¿sí? Distrito. Ya se divide por distrito, correcto. Uh-huh. Está organizado también el mercado, organizan también el mercado de Navidad. Uh-huh.
la más grande isla de Francia. Numerosos, muchos expositores en una ciudad del chalet modernos de miles de edificios. En medio de edificios. Ay, medio de edificios. Milieu es medio, mediados o mitad. En este caso, en medio de edificios. Ok, bien. No, lectura para ahora esta tarde. Para más tarde. Merci. Me pongo a traducir desde la teo, pero muchas gracias por su paciencia. Marché de Noël de Mulhouse. Mulhouse, la seconde grande ville d'Alsace, souvent éclipsée par Strasbourg, mérite pourtant une visite pour découvrir son marché de Noël, qui, depuis sa création il y a avant naissance, ajoute à l'authenticité et à la tradition une véritable originalité en valorisant l'épopée industrielle de la ville. Ainsi, savez-vous que la première manufacture d'Indienne célébrait dessous du coton imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse s'installer dans la ville en 1686, faisant de Mulhouse une des capitales du textile d'Europe. C'est pour célébrer cet héritage que chaque hiver, une étoffe différente et exclusive est créée pour le marché de Noël. Dans la boutique où s'est offert de la place de la Réunion. Marché de Noël de Mulhouse. Mulhouse, la seconde ville d'Alsace, souvent éclipsée par Strasbourg, mérite pourtant une visite pour découvrir son marché de Noël, qui depuis sa création il y a 20 maisons, ajoute à l'authenticité et à la tradition une véritable originalité en valorisant l'épopée industrielle de la ville. Ainsi, savez-vous que la première manufacture d'Indienne célébrait tissus de coton imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse s'installer dans la ville en 1686, faisant de Mulhouse une des capitales du textile d'Europe. C'est pour célébrer ce héritage que chaque hiver, une étoffe différente et exclusive est créée pour les marchés de Noël, où elle est en vente dans la boutique où s'étoffe de la place de la Réunion. Qui veut lire? Moi, Olenka, je peux lire. Olenka, allez-y, Olenka. Marché de Noël à Mulhouse. Mulhouse, la seconde grande ville d'Alsace, souvent éclipsée par Strasbourg, méritait pourtant une visite pour découvrir son marché de Noël qui, depuis sa création, il y a 29 ans, ajoute à l'authenticité et à la tradition une véritable originalité en valorisant l'époque industrielle de la ville.
Ainsi, savez-vous que la première manufacture d'Indienne, célèbre tissu de coton imprimé, qui ont fait la renommée de Mulhouse, s'est installée dans la ville en 1746, faisait de Mulhouse une des capitales du textile en Europe. C'est pour célébrer cet héritage que chaque hiver, une étoffe différente et exclusive est créée pour la marché de Noël, où elle est en vente dans la boutique aux étoffes de la place de la Réunion. Merci, Elenka. Très bien. Merci. Moi, professeur. Allez-y, René. Marché de Noël de Mulhouse. Mulhouse. Si, O, U, S, U. U, ok. Mulhouse. Mulhouse. Mulhouse, la seconde grande ville d'Alsace. Alsace. Pardon. Souvent éclipsée par Strasbourg, mais pourtant on visite pour découvrir son marché de Noël, qui depuis sa création, il y a 29 ans, oui, ajoute à la authenticité et à la tradition une véritable originalité en valorisant les pop industriels de la ville. L'épopée. Ok. Hay un acento en la E. Ok. L'épopée industrielle de la ville. Ainsi, savez-vous que la première manufacture d'Indienne célèbre tissu de coton imprime quand on fait la remo de Mulhouse. Oui? S'installer dans la vie en 1646, faisant des Mulhouse en des capitales du textile en Europe. C'est pour célèbre ces héritages que chaque hiver, une étoffe différente et exclusive est créée pour les marchés Noël, où elle est en vente dans la boutique au setofé de la place de la Réunion. Très bien, René. Merci. De rien. Autre personne?
Moi, Tere. Allez-y, Tere. Et Mulhouse, la marché de Noël de Mulhouse. Mulhouse, la seconde grande ville d'Alsace, souvent éclipsée par Strasbourg, mérite pourtant une visite pour découvrir son marché de Noël qui, depuis sa création il y a 29 ans, ajoute à l'authenticité et à la tradition une véritable originalité en valorisant l'épopée industrielle de la ville. Ainsi, savez-vous que la première manufacture d'Andienne célèbre tissus de coton imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse s'est installée dans la ville en 1746, faisant de Mulhouse une des capitales du textile en Europe. C'est pour célébrer cet héritage que chaque hiver, une étoffe différente et exclusive est créée pour le marché de Noël, où elle est tombée dans la boutique aux étoffes de la place de la Réunion. Merci Teresa, très bien, félicitations. Quel mot ils ne savent pas? Moi, Lenka, le mot l'épopée. L'épopée, c'est épopeya, épica, pues el poema épico. Ok? Oui, merci. De rien. Faisant. Haciendo, hacer, formar. Moi, étoffe, estela, tejido, material. Moi, profesor, d'Indians. De India. Oui. De India. Sí, manufactura de la India, puede ser. Ok. Otro remón. Tisú. Tela. Tejido. ¿Es igual que esto? Oui. Sí, ah, ok. Oui, oui. Es sinónimo. ¿Qué es heritage? Es herencia, legado, patrimonio. Merci. Étoffe, tela, tejido, material. Y souvent, a menudo, con frecuencia, muchas veces. Merci. De rien. Veritable. Qui vous traduit? Para traducir, mercado de bueno, Noel o Navidad de Navidad. Navidad de Mulhouse. Mulhouse, la segunda grande ciudad de Alsace, mediante su eclipsada por Estrasburg. Meritó por
o durante, por tanto, una visita para descubrir su mercado de Navidad, quien después de su creación hace 29 años, añadió a la autenticidad a la tradición, una verdadera originalidad valorizarlo en la epopeya industrial de la ciudad. Así sabrá que la primera manufactura de Indias o Indiana celebra tejidos de algodón imprimido impresos que tienen que fueron fueron renombrados de Molus. Es instalado en la ciudad en 1746, siendo de Molus una de las capitales de textilería en Europa. Es para celebrar su patrimonio, bueno, este patrimonio que cada invierno un tejido diferente en exclusivo es creado por el mercado de Navidad, donde ella está en venta en la boutique de los tejidos de la plaza de la reunión. De la reunión. Très bien, Olinka. Merci beaucoup. Merci. Ok, ahora vamos a ver. Espérense un momentito. Okay. Vamos a ver unos videos de lo que hemos visto, de lo que hemos leído. ¿Lo escuchan bien? Oui. 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 Du printemps, le froid de l'hiver ne me dérange pas quand je suis blottie dans tes bras. À l'abri du vent, je passe le temps en rêvant. Et cette valse lente, douce et somnolente, fait renaître le printemps. Thank you.
Voy a colocar otro.
¿Qué les pareció? Hermoso. Complementa mucho la lectura. Muchas gracias, profe. Estaba bellísimo. Qué lindo, sí. Me alegra mucho que les haya gustado. Esa es la idea. Que después de la lectura veamos un poco de lo que leímos y así nos queda más fijo lo que practicamos. Los chalets navideños súper hermosos. Estuvo muy lindo. Muchas gracias. Sí, hay mucha magia, mucho encanto. Bueno, hemos terminado. Merci beaucoup por votre assistance. Merci. Merci. Salut. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Salut à tous. Merci. Merci. À la prochaine.